Hey! Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux hommes. Bonsoir aux femmes aussi. Bonsoir aux hommes-femmes. Il y a des hommes-femmes aussi. Voilà, en fait. Je suis là aujourd'hui, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Voilà contre les hommes. Non, non. Je ne suis pas content contre les hommes. Attends, mais je ne suis pas content contre les hommes, tu me dis Macron. Hein? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content encore. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. C'est le micro, c'est pas moi qui j'ai le canton. Hein? Ah, les amis. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Je viens de Calais, Derek. Ah, les hommes, ce que vous faites aux femmes, là, c'est pas bien. Si vous voulez rompre une relation, pardon, faites-la simplement, doucement, avec des hygiènes. Je parle de l'amour de nous. On te n'a pas de les balans, il n'y a pas de souci. Amour de nous, on gère entre nous aussi. Une femme qui reste avec toi pendant 11 mois. Et puis le mois de décembre, c'est là où tu crées des problèmes pour femme. Tu lui crées tout le souci. Parce qu'il y a des fêtes, Noël et Noël A. Ah, et puis vous ne revenez pas. Les janvier, vous dites que les janvier est un peu long. Vous ne revenez pas encore. Vous rompez la relation. Vous revenez le février. Même le février, vous ne revenez pas. Parce qu'il y a 14 février. Même février, après vous attendez mars, vous voulez réconcilier mars, il y a 8 mars. Vous ne revenez pas, c'est parce que vous évitez la dépense. Vous revenez que l'avril. C'est parce que l'avril, ici la période est tellement chaude que vous donnez un argument solide en disant à la femme, ma chérie, tu sais pourquoi je t'ai quitté? C'est pas pour rien que je t'ai quitté. Tu sais que j'ai choisi la chaleur, c'est pas pour rien. Je garde ton amour chaud jusqu'ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui je reviens sur toi. Les amis, c'est pas bien. Nous, on sort de la femme. Et après, quand on grandit, on entre dans la femme encore. Est-ce qu'il y a les filles dans la salle? Est-ce qu'il y a les jeunes filles dans la salle? Les jeunes filles, je vous adore trop. Aujourd'hui, là, je vais vanner les hommes seulement. Je suis avec vous, pour vous. Mais les filles, c'est difficile d'être romantique avec vous. Tu la regardes sentimentalement pour l'admirer. Elle te dit, il y a quoi? Tu ne m'as jamais vu. Il va râner, on m'a dit, tu dis, on m'a chifté. Au téléphone, c'est un peu mieux. Ça, là, comme les yeux ne se croisent pas, là aussi, il y a un problème. Surtout, c'est la phrase, tu me manques. Ouais, tu l'appelles, tu dis, tu me manques, chérie. Elle te dit, tu me manques aussi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'hymne national des relations à distance. Même ceux qui nous fournissent des réseaux, là, les services concentrés qui nous écoutent la nuit, là, quand ils écoutent ça, là, ils font comme ça. C'est celles qui utilisent le service gratuit. Merci de me rappeler. Merci de me rappeler sur mon numéro. Je te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est une solutionnaire ou quoi? Il y a une fille là qui a écrit sur mon WhatsApp. Merci de me rappeler. C'est pas fini. Une là, elle se grave encore. Elle a fait vidéo de merci de me rappeler en renvoyant sur mon YouTube. Hi. C'est qu'une seule solerie. Mais quand même, certaines filles, elles l'assurent. Oh non. Certaines filles, elles sont bonnes, elles sont bonnes. Surtout dans certaines circonstances, elles deviennent très, très intentionnées. Surtout quand un mec, tu promets à la fille, la semaine prochaine, tu lui donnes les 100 francs qu'elle t'a demandé. Hey! Avant la semaine prochaine, tu verras son incroyable talent. C'est là où elle devient sexologue. La personne qui étudie la société là. Sociologue, voilà. Elle prend la paix.
Allô, chérie, à 7h du matin. Allô, chérie, tu as bien dormi? Ah, ça a été bien passé, bébé? Mon bébé, elle a rêvé à chaque fois. Ça a été bien passé, bébé? Tu dis alors, ok, ça va. Eh, dis-moi, bébé, dors sur un drap doux en coton. Ne dors pas sur le terrain, drap là, ça fait gratte la peau. Ne dors pas. Eh, bébé, s'il te plaît, dors dans un moustiquaire. Parce qu'il y a là, il y a une moustique là. C'est Anophèle. Elle sillonne le quartier, elle a ravagé tout, elle part chez vous. Pardon, dors dans un moustiquaire. À 8h, c'est elle qui a encore cet appel. Coucou, tu as pris ton petit déjeuner? Bébé, mange. À 11h, elle prend le téléphone. Thierry, tu es où? Tu me manques déjà. Madame Mata, depuis quand? À 13h, même appel. Bébé, dis-moi, tu as pris ton déjeuner? Mon frère, accepte de dire oui. Si tu ne dis pas oui là, elle va te bombarder encore avec des questions. Dis-là que tu dis que je suis fatigué. C'est là où elle pose encore d'autres questions. Bébé, tu es fatigué? Et que tu as fait quoi? Pardon, bébé, s'il te plaît. Fais un peu le sport, sinon prends bain. Bébé, attends. Attends, bébé. Elle m'a allongé. Bébé, s'il te plaît. Si déjà tu es fatigué, là, prends une boisson énergisante. Bébé. S'il y a la possibilité, là, mange même Mujingoro. Oui, bébé. Tout ça, là, accepte. Si tu lui dis que tu es malade, c'est là où elle va porter costume maintenant des médecins. Bébé chou, tu es malade? Aïe, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mot de vente. Attends, si c'est le mot de vente, là, je connais une solution. Prends une plaquette là qui s'appelle stop diarrhée, là. Ça va arrêter. Ah, bébé, bébé, tu es malade? Va à l'hôpital. Non, non, ne va pas à l'hôpital. C'est elle seule. Ne va pas à l'hôpital. À l'hôpital, déjà tu mets le pied, tu as un problème au genou, on te dit tu as le corona. Ne va pas là-bas. Corona te ressemble même pas. Bébé, il faut voir avec ton gars de la pharmacie là. Lui, il va te gérer. Là, il n'y a pas de problème, bébé. Oh, tout ça là, c'est parce qu'elle ne veut pas que tu meurs avant de lui donner son argent promis. À 15h, elle te fait un testo. Tchac, tchac, tchac. Bébé chou, je pense que ça va maintenant. Et toi, mec, tu réponds. Ouais, ça va mieux. Là aussi, là maintenant, là, je suis au volant. Je pars déposer l'argent de papa à la banque. Quand elle écoute ça, oui, elle va porter maintenant costume de police de circulation routière. Bébé chou, faites attention, tu es dans la voiture. Attends, bébé, tu as attaché la ceinture de sécurité? 1. Bébé, roule toujours à droite. 2. Bébé, faites attention quand il y a feu rouge, arrête. 3. Bébé, quand il y a un problème, bébé, roule à 10, à 11, à 13, 20, et puis ne roule pas plus de 20. Bébé, on connaît Ndiamena. Si déjà tu fais des clientèles là, et qui ne font pas attention pour toi, bébé, sors ta main gauche là, et puis droite. Si ça va pas là, bébé, sors carrément le bras. Comme faisait le taximan. Ouais, ouais. Bébé, on ne sait pas, Ndiamena est compliqué. Il y a des gens qui mettent leurs produits de vente là en plein goudron, roule doucement et puis esquive. Est-ce que Ndiamena a danser, danser par Glemsi? Un argent encore virtuel, elle te dit qu'elle colle problème sur Ndiamena. Mon frère, le jour que tu vas lui donner son argent, tu n'as pas besoin de raver. À 7h du matin, elle t'appelle. Tchiring! Bébé, je suis mon secret d'or. Comment tu vas? Je pense que tu es à la maison. Je suis en train d'aller vers toi comme ça. Je sais et j'ai pressenti depuis hier que ton corps a besoin de massage. Tout ça là, c'est pour te garder à la maison afin que tu ne sortes pas. C'est comme ça? Les fortes font comme ça. Vous savez que l'argent et les jeunes filles vont de pair. L'argent ne peut pas acheter le cœur, mais ça peut changer le programme de cœur même. Ok, je suis venu content pour vous, mais là, content pour tout le monde.
Si vous comprenez mon français, Dieu merci. Si vous n'avez pas compris, Dieu merci aussi. Voilà, mon accent est compliqué. C'est ce qui fait que on a fait maintenant, on a fait une chanson, on a fait une chanson pour vous. C'est pas nous qui avons fait, c'est vous qui avez fait cette chanson. Donnez-nous un peu, il donnez-nous un peu, il donne. On ne donne pas notre amour. On ne donne pas notre amour. Oui.